Bonjour, aujourd'hui je vais tailler une petite bordure de lavande. Il s'agit de la variété Grosso, qui est très répandue. Et donc on va la tailler en faisant un bouquet. La première étape pour faire un joli bouquet et de tailler au même moment les lavandes consiste à les rassembler dans la main et de les tailler au sécateur. Donc on rassemble un maximum de brins du même pied dans une main, on prend le sécateur et on taillera comme ça. On peut faire plusieurs bouquets d'un coup et les rassembler à la fin pour avoir un grand bouquet. Pour le moment, on évite de tailler trop court, on taille juste à l'endroit où il n'y a plus de feuilles. Donc là, c'était un peu trop court. Mais tout le reste, c'est que de la tige. Dans un deuxième temps, on fait un peu un tri dans son petit bouquet. Là où il y a par exemple plus de feuilles, plus de fleurs, pardon, on élimine les tiges qui sont pas très belles, en essayant de garder quand même une forme du bouquet. Pour faire le bouquet, on va faire une petite attache. Donc on sélectionne trois brins dont on enlève tous les feuilles dessus. Et puis après, on le tresse, les tresses de cheveux, pour les rendre plus stables. Donc là, les brins sont tressés, uniquement tressés. Il n'y a pas de nœud ni au début, ni à la fin. Une fois ce lien tressé, on le pose devant soi et on met le bouquet qu'on veut par-dessus. Et après, on fait le tour du bouquet, on attache et je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Donc une fois attaché avec un simple nœud, le bouquet il est presque fini. Il suffit juste de couper les bouts du bas, bien sûr, pour le rendre un peu plus maniable. Voilà, il y en a un bon bouquet qu'on peut offrir ou tout simplement mettre dans son armoire pour odorer ses vêtements et éloigner les mites au même moment. La taille des lavandes se fait généralement en août quand il n'y a plus beaucoup de fleurs sur les épis. Là on voit bien que c'est plus que des petits grains. Quelques semaines auparavant, les fleurs étaient encore dessus, comme ceci. Donc faut bien attendre que tout soit défleuri pour pouvoir commencer la taille. Généralement, je préfère tailler ou enlever les épis des lavandes avec le sécateur et puis commencer après avec la réelle taille avec la cisaille pour des raisons pratiques pour pouvoir mieux ramasser les épis. Maintenant, j'ai taillé grossièrement au sécateur des lavandes. Ça sert surtout pour faciliter. Facilement les brins, donc à chaque fois je prends une poignée et je taille avec le sécateur en dessous de ma main. Là j'ai pris un petit brin de lavande
C'est pas comme ça qu'il faut tailler. Vous voyez en dessous, c'est des feuilles mortes. Donc nous, il faut qu'on taille une petite partie du haut. Donc tout ce qui est gris sec un peu là en bas, on n'y touche pas. La hauteur intéressante, c'est... Pour faire une coupe correcte, je préfère faire le tour de la lavande d'abord. Alors, donc comme ça, ou le tour. Et puis après, attaquer la partie du haut comme ça. Il faut tailler chaque pied individuellement, s'ils sont côte à côte comme c'est le cas ici. Et bien prononcer l'endroit où il y en a une qui s'arrête comme ça et une autre qui commence. Comme ça, ça fait des vagues. Et on voit que ce sont différents pieds de lavande, ça fait plus joli. Donc, je ne sais pas si on voit très bien. Donc ça, c'est la lavande que j'ai taillée maintenant à la cisaille. Et puis c'est celle-là qui était encore taillée grossièrement pour que vous voyez un peu la différence. Le but, bien sûr, c'est qu'elle soit ronde. Et pour bien y arriver, comme je viens de le dire, c'est bien de commencer donc tout le tour du bas. Comme ça. Et puis après, tailler le haut. Si toutefois on voit que c'est pas très régulier, là, il faut faire avec des petits coups de cisaille. Pour bien comprendre ce que je veux dire, de les tailler vraiment individuellement, ça se voit plus si on les filme du haut. Donc tout cela là, ils sont taillés, ils sont tous un peu différentes, mais j'essaie de le faire tous en petites boules. Il reste juste les deux derniers qui sont pas encore taillés pour que vous voyez la différence. Ici, je vous montre un exemple comment il faut faire, qu'il faut pas faire. C'est-à-dire là, j'ai taillé volontairement trop court pour la vidéo. Là, c'est la bonne hauteur. Faut pas hésiter de tailler quand même le plus court possible, quitte à s'y prendre à 2-3 fois pour trouver la bonne hauteur. Des tailles comme ça peuvent s'avérer utiles si on veut diminuer beaucoup la taille de la lavande. Cette partie là, on voit les petites pousses comme ça là qui vont reprendre, mais une taille aussi sévère est seulement envisageable quand on veut vraiment diminuer la taille de la lavande parce qu'elle gêne par exemple sur un passage ou pour autre raison. Ici vous voyez une autre lavande grosso qui tient grosse comme le nom l'indique. Donc là, elle est isolée, donc beaucoup plus grande que si elles sont plantées côte à côte. Là-dessus, vous voyez bien qu'il y a besoin d'une taille bien profonde, bien sévère, pour rendre cette lavande le plus équilibrée et compacte possible. Ici, la même lavande, donc taillée d'abord avec avec le sécateur pour enlever les brins, et puis maintenant ça va être la taille à la cisaille. Donc on commence encore une fois tout le tour en bas comme ça d'abord, et après on s'occupe comme ça du haut. Encore une fois, n'hésitez pas de faire ça en deux ou trois tailles pour ne pas tailler. Une fois la taille terminée, ça peut ressembler à ça. On peut faire, une fois qu'on a fait la taille, le tour de
de la plante pour voir si elle est à peu près ronde de tous les côtés. Ici, c'est le cas. On a terminé son travail et on peut savourer son petit bouquet ou l'offrir. En écartant un peu les branches, on voit l'intérieur donc de la lavande. Après la taille, il y a beaucoup de bois sec à l'intérieur et juste quelques pointes de feuilles grises et vertes. Voilà, le plus régulier possible et le plus court possible, en tout cas ce qui concerne les lavandes grosso, parce qu'elles poussent beaucoup.